Culte spécial ce dimanche à la mission apostolique et prophétique de Yopougon Saguidiba. Une célébration marquée par des témoignages, des prières et des exhortations. Pour le pasteur Kenneth Anne Perici, ce culte est une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est à moi bénit son Seigneur. N'oublie pas aucun de ses bienfaits. Nous n'avons pas oublié le bienfait de l'Éternel. La saison de réconciliation, c'est cette saison que nous sommes là actuellement. Les saisons que totalement nous reconnaissons des choses que Dieu a fait pour les dire merci dans le nom puissant de Jésus. Le pasteur Kenneth Anne Perici a également exhorté les fidèles à une foi solide et à rechercher les réalités d'en haut, Dieu étant le maître du temps et de l'histoire. Un événement marqué aussi par des offrandes. L'église est divisée en 7 familles et donc chaque 15 jours, il y a une famille qui a des semaines. Et aujourd'hui, c'est la semaine de la famille sagesse. Et comme on ne peut pas venir dans la maison de l'Éternel, les mains vides, nous avons apporté les dons au Seigneur pour la bénédiction. L'achat d'un terrain et la construction d'un nouveau temple sont entre autres les projets prioritaires du temple mission apostolique et prophétique.